What's up mes warriors, j'espère que vous allez bien déjà. Tout d'abord, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour vous pour cette année 2017. J'espère que vraiment vous allez avoir plein d'objectifs, plein de réussites. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réception du jour. Ça fait bien longtemps, ça fait bien longtemps. Donc, bien évidemment, je l'ai ouvert parce que je suis plus du tout patient. Et aujourd'hui, on va parler de la marque Thrasher. Déjà, qu'est-ce que c'est la marque Thrasher? À la base, c'est fait pour... C'est un magazine, parce que normalement, le vrai nom, c'est Thrasher Magazine. Donc, c'est un magazine pour tous les skateurs et tous ceux qui font voilà, du skate. C'est un peu pour montrer l'univers du skateboard, les nouvelles planches, voilà, les nouveautés, les nouveaux skateurs en vogue qui montent, vraiment les skateurs de haut niveau. Déjà, ça a été fondé en 1981, déjà à la base Thrasher Magazine. On peut l'appeler Thrasher Magazine ou Thrasher tout simplement. Et ça a été fondé donc en 1981 à San Francisco tout simplement. Et voilà, c'est un peu pour la petite anecdote de Thrasher Magazine. Si vous avez d'autres informations sur cette marque de magazine, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et si vous voulez, si vous avez d'autres anecdotes, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler voilà, d'un pull Thrasher, donc un sweat pull que je me suis acheté. Donc à vous de voir si c'est un vrai ou si c'est un faux, parce que bien évidemment, ça coûte extrêmement cher. Comme on peut le voir sur internet, généralement les sweat pulls déjà c'est environ entre 50 et 90 euros. Celui que je me suis pris normalement vaut 90 euros. À vous de voir bien évidemment avec les détails que je vais vous montrer très très bientôt, prochainement là dans quelques instants, de me dire si c'est un vrai ou si c'est un faux. Voilà les amis, le détail du pull Thrasher. Donc oui, il y en a pas mal, il y a pas mal de coloris et tout, mais le plus souvent qu'on retrouve c'est vraiment celle-ci, c'est vraiment couleur noire avec le logo Thrasher en flamme, jaune, rouge, Thrasher Magazine, voilà, avec des petites poches, des petites languettes, la fameuse capuche, voilà, c'est plutôt pas mal. Après ça reste du basique sur le derrière et tout, il n'y a pas forcément de choses extravagantes, c'est d'une simplicité telle qu'ils reprennent vraiment la pochette du magazine. Le problème c'est que voilà, j'ai demandé à ma communauté d'ailleurs ce qu'ils ont pensé de la marque Thrasher, et je suis totalement d'accord avec eux que le fait que ce soit porté par des gens qui n'ont, tout comme moi, et je m'inclus dedans vraiment véritablement, qui ne font pas de skate, ça rend la marque moins crédible en fait. Et les gens ils s'approprient la marque sans savoir véritablement d'où ça vient. Et ça, c'est vraiment un véritable problème, puisque ça devient un effet de mode et personne ne s'intéresse à ce qu'il y a à côté par rapport à la marque. Et comme je vous l'ai dit au début, la marque, c'est vraiment par rapport au skate. Ceux qui portent cette marque-là, qui ne font pas de skate, c'est un peu dommage. Mais après, voilà, c'est le monde de la mode, malheureusement. Quand quelque chose est à la mode, pratiquement 70% de la population le porte ou aura au moins un produit de cette marque pour dire voilà, j'ai eu ça, c'était à la mode et c'était super stylé, voilà. Et c'est un peu le cas de tout le monde malheureusement. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est bien de savoir qu'un vêtement il est stylé, c'est bien de savoir que c'est une marque, mais il faut regarder aussi sur le côté quoi, faut regarder ce qu'il y a à l'extérieur du vêtement lui-même, parce que à la base voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas un vêtement, c'est juste un magazine. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire si c'est un vrai ou un faux sweat pull Thrasher. Vraiment intéressant de voir s'il y a vraiment des connaisseurs, et je vous fais la tenue juste après pour vous donner des petites idées clothing. Faut se penser, hein. On a l'air con, hein, c'est un peu le petit photo de classe.